Stop! Pas de nourriture à l'intérieur. Je m'en fiche. Alors? Pardon? Pourquoi ne dites-vous rien? La 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 la. Oh, je ne suis pas payée pour ça! Oh! C'est votre langue? Oh, je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait! Oh, je me sens tout bizarre! Oh. Quel idiot! Ma langue va très bien, mais ça, ça m'appartient! Hein? Nom, 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 nom. Oh mon Dieu! Je reprends ça. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Stop! Pas de nourriture à l'intérieur. Les bras en l'air. Mon Dieu! C'est bon, passez. Vous pouvez lever les bras. Oh non, pas de nourriture! Je vais me faire prendre! Oh, il m'en reste tellement! Oh. Ses cheveux, ça ressemble, non? Allez, réfléchissons vite! Mais bien sûr! Dweds verte, me voilà! Vous pouvez y aller. Moi, j'arrive! Si vous cachez de la nourriture, je vais le savoir! Détends-toi! Et? On ne peut pas manger! Aucun problème! Moi, je viens danser, pas festoyer! Je suis les règles! Je ne triche pas! Laisse-moi entrer, tu ne le regretteras pas! Oh ouais, c'était bon! Pas de nourriture, yo! J'adore! Entrez! Hé, hey, j'aime bien tes cheveux! Ah ouais? Eh bien, sache qu'ils se mangent! Waouh! Qu'est-ce que t'en dis? Je peux? Ah! J'adore les verres! C'est le moment de noter ses contrôles de sciences et de voir à quel point mes élèves ont raté encore plus de mauvaises notes. F! Au suivant! Noter ses contrôles me donne faim! Pourquoi est-ce que mon corps a toujours besoin d'être nourri? Il doit bien y avoir quelque chose pour me requinquer. Non. Juste plus de F. Attends. Eureka! Un super goûter! Pile quand j'en avais besoin. Est-ce que c'est si dur? Oh! Les bonbons! Je dois nettoyer tout ce bazar! Qu'est-ce que je fais avec tous ces bonbons? Je mange tout? Non, je n'ai pas le temps. Ah! J'ai une idée. Je vais avoir besoin de mon feutre. Je vais enlever le capuchon du bas et ensuite, avec une pince à épiler, je vais carrément retirer l'encre du feutre. Comme ça, le feutre est vide, donc je peux verser les bonbons à l'intérieur. Il a l'air d'un feutre normal. Eureka! Les bonbons sont à portée de main et les élèves n'en savent rien. Je vais me régaler. C'est vraiment délicieux. Allez, c'est le moment de faire cours. Madison! Debout au tableau. Oh, ok. Résous cette équation. On va voir si tu en es capable. Et pendant qu'elle est occupée, hop, un petit bonbon. Je viens d'entendre des sucreries. Vous savez que les bonbons sont interdits en classe. Je suis sûre d'avoir entendu des bonbons cette fois. Je n'invente rien, mais je ferai mieux de finir de résoudre cette équation. Tada! Faux! Tu n'as même pas fait attention à cette partie de l'équation. Oh, je savais qu'il y avait des bonbons. Vous les cachiez depuis tout à l'heure. Non, non, non! Je te donnerai un A en échange de ton silence. Maintenant, retourne t'asseoir et ne dis rien à personne. Incroyable. Je crois que je comprends ce qu'on fait en maths. Ah, à moi aussi. Oh, tu as à manger. Partage un peu, sois sympa. Non. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, j'ai dû me tromper.
Ouais, sûrement. Oh, je savais qu'elle cachait de la nourriture quelque part. Je vais découvrir ce qui se trame ici. En tant que détective du goûter, aucun snack ne peut échapper à ma vigilance. Il suffit de trouver l'épreuve. Ah ah! Un indice! Oui! Au vu de la couleur et de la taille de ce papier, je peux affirmer que c'était une sucrerie et que les autres sont cachés dans cette boîte. Oh! Non! Ouais! Ta cachette secrète! Je dois avouer que c'est une idée judicieuse pour cacher ces bonbons. D'abord, tu devras vider une boîte de crayons de couleur. Ensuite, coupe-les en deux à la moitié et remets-les dans leur boîte. Comme tu le vois, on dirait qu'ils sont toujours entiers. Tu peux fermer le haut de la boîte avec les crayons. Mais le bas reste ouvert avec un peu d'espace. Et on peut utiliser cet espace pour cacher de délicieuses provisions. Ces bonbons aux fruits rentrent parfaitement. Eh oui! N'oublie pas de bien fermer le couvercle. Ces bonbons sont en sécurité et cachés de la vue de tous. Bien joué, Madison. Maintenant, tu peux partager. Bon, vu que tu as découvert mon secret, tu peux en avoir un. Non, il va m'en falloir bien plus que ça. Oh, tu es incorrigible, Jake. Tiens, je suis peut-être incorrigible, mais ces bonbons sont les meilleurs. Nous sommes tellement excités de voir ce thriller. Aloha! Merci! C'est un véritable ukulélé? Pas de ça dans mon cinéma! Oh, il n'y a rien de caché ici! Dans ce cas... J'aime tous les genres de musique, tu vois? Allez, mes amis musiciens! Qu'est-ce que j'aime ce travail! Ce geek a complètement marché. Quel nul! Tu as envie de ta propre barre chocolatée? Prends tes bonbons préférés! Nous avons choisi des Skittles. Maintenant, prends du fil à coudre ou du fil de pêche. Défais-le et fais passer tes bonbons dedans. Ça te fait un joli bracelet. Ou un collier, pourquoi pas. Être créatif, ça ouvre l'appétit. Justin, s'il vous plaît. Ah oui, vous savez lire. Toute nourriture extérieure va à la poubelle. Bon film. Voici. Pas de nourriture? Laissez-moi voir ce lapin. Allez, ouvrez-le. Non! Ah! Il a l'air innocent. Je le savais! Il est rempli de bonbons! Vous voyez? Rien ne m'échappe, mademoiselle! Voilà! Honte à toi! Je prends ça! Aussi rusé que votre ami? Donnez-moi ça! Je n'entends rien! Mais elle ne sait pas que ce truc a un zip caché! Mais d'abord, il faut retirer la mousse. Puis, pour l'imiter, mets des marshmallows comme cela. Les plus gros sont les meilleurs. Puis, mets-les dans ton ami poilu. Et voilà! Zippe-le pour le fermer. Il a l'air normal, non? Je ne sens pas de bonbons ici. Ça sent un peu le sucre quand même. Allez, c'est bon. Ouf. Hé, j'ai raté quoi? C'est l'heure de grignoter un peu. Oui! Comment tu as fait pour passer? Ça vous dit de partager? Est-ce que cette astuce n'est pas géniale?